obtenir les Dragon Ball dans l'île d'aventure de Dragon Ball. Pour ce défi, il faudra entrer le code que vous voyez actuellement à l'écran pour rejoindre l'île de Dragon Ball. Et ensuite, vous arrivez ici. Et là, vous allez voir que vous allez recevoir une quête. Donc là, la quête, elle me dit « Collect the Dragon Ball ». Donc, pour collecter la Dragon Ball, vous suivez tout simplement le chemin et vous allez récupérer la Dragon Ball. Donc là, il va vous mettre un message. Cherchez la dernière Dragon Ball jusqu'à avoir les 7. Utilisez le radar sur la place centrale pour l'emplacement d'une autre Dragon Ball. Donc voilà, vous suivez ce qui est marqué. Donc ici, vous allez prendre le radar. Vous allez l'utiliser. Donc ensuite, il vous montre où se trouve la deuxième Dragon Ball. Donc vous allez suivre le petit chemin qui est juste ici. Vous allez récupérer la Dragon Ball. Donc là, on en a déjà deux. Donc maintenant, vous allez devoir aller dans la maison de Goku. Donc pour aller dans la maison de Goku, vous allez dans la capsule corpse qui est juste là. Donc les défis sont affichés ici, hein, regardez. You find head the Goku house, etc., etc. Donc là, vous allez dans la capsule. Vous montez dedans. Et là, vous allez devoir choisir la maison de Goku. Donc hop, on choisit la maison de Goku. Là, faut attendre un petit peu. Voyage rapide, ok, voyage rapide. Hein, voilà. Donc maintenant, nous sommes près de la maison de Goku. Et là, il est marqué, regardez en haut à gauche, fabriquer un poisson bouclier, un poisson piment et un poisson guerrier. Donc pour fabriquer des poissons, c'est ici. Donc là, un poisson piment, c'est ici. Un poisson bouclier, je pense que c'est ici. Un poisson guerrier, ou un non, bouclier et guerrier, c'est ici. Donc pour créer un poisson piment, il vous faut un piment et un poisson normal. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. Hein. Donc on va aller déjà chercher une canne à pêche. Et on va déjà pêcher un poisson. Donc hop, on pêche un poisson. Donc là, on a eu un poisson. Parfait. Maintenant, il nous faut un piment. Donc je sais pas où ils sont les piments. Je vais chercher et je vous dis ça. Ok, donc regardez. Là, il y a Sanboku, la maison de Sanboku. Juste à gauche, il y a les piments. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement récolter un piment. Donc maintenant que vous avez un piment et un poisson, vous allez pouvoir récolter un poisson piment. Donc hop, vous faites cuire. Et là, ça va fabriquer le poisson en question. Donc là, on en est déjà un sur trois. Maintenant, on va fabriquer le poisson guerrier. Donc il nous faut un poisson bouclier et un poisson... Ah, et ben, il nous faut un poisson comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pêcher un poisson bouclier dans un trou de pêche. Donc ça, c'est pas un poisson bouclier. En fait, je me suis trompé. Regardez, ici, pour avoir un poisson bouclier, il me faut un poisson et un champignon. Donc c'est pour ça que je pouvais pas le pêcher. Je croyais qu'il fallait le pêcher, mais non, pas du tout. Il fallait juste pêcher un poisson et venir ici pour pêcher un champignon. Enfin, pour cueillir un champignon. Donc dès que vous avez un poisson et un champignon, vous revenez ici dans la table de craft et vous craftez le poisson bouclier. Comme ça, vous aurez un poisson piment et un poisson bouclier. Donc ça vous donnera un poisson guerrier. Donc maintenant, on prend le poisson guerrier. Et là, on aura terminé la quête. Donc là, on pourra récupérer la troisième Dragon Ball, qui est juste ici. Et ensuite, on retourne au spawn. Donc, à la zone d'arrivage. Hop, rendez-vous au piédestal. Ouais, là, il était marqué. Donc là, on va retourner. Je crois que c'est ressort area, je crois. Planète de... Je crois que c'est ressort area, donc on va aller voir. Normalement, je pense que c'est là-bas. Et oui, effectivement. Donc, vous revenez à ressort area. Et on va voir ce qu'il faut faire ensuite. Ok, donc là, il est marqué Room of Spirit and Time Trial. Donc là, on va retourner dans la capsule. Et on va aller dans le truc du temps. Je ne sais pas quoi, là. Salle de l'esprit et du temps. Donc, hop, on sélectionne ceci, voilà. Et là, maintenant, il est marqué terminer le défi de la salle de l'esprit et du temps. Donc, je suppose qu'il suffit juste de récupérer... De suivre le chemin, en fait. En fait, il faut faire le parcours, quoi. C'est un petit... C'est un parcours, en fait. Vous faites le parcours. Et dès que vous arriverez à la fin du parcours, je pense que vous aurez la boule de cristal. Alors, faites attention parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de checkpoint. Donc, faites quand même attention parce que si vous tombez, je crois qu'il faudra tout recommencer. Ok, donc là, regardez, je suis arrivé en haut. Et il y a ma quatrième boule de cristal qui m'attend. Donc, c'est parfait. Maintenant, on retourne au spawn. Et on va aller voir c'est quoi la quatrième quête.
Ok, donc c'est pas la quatrième quête, c'est la cinquième quête. Donc Nimbus Cloud Time. Donc Cloud Time, nuage magique. Donc là, on va retourner dans la capsule. Et on va aller voyager. Je pense que c'est vers Beerus. Non, peut-être pas. On va voir. On va voir les propositions. Maison de coucou. Non, c'est palais des dieux. Palais des dieux. Donc là, vous allez au palais des dieux. Ok, utilisez le nuage magique pour terminer la course. Ok, parfait, voyage rapide. Donc là, on descend. Il faut que j'utilise le nuage magique pour terminer la course. Donc ok, il y a la course qui commence ici. Et je dois utiliser mon nuage magique. Donc je suppose que, hop, j'active mon nuage. Voilà. Ok, c'est stylé. Ah ouais, d'accord. En fait... Ok, c'est trop stylé. En fait, vous suivez la flèche verte. Donc la flèche, là, regardez, il y a une flèche en haut de l'écran qui vous montre où est-ce que vous devez aller. Et à chaque fois que vous allez passer dans un truc vert, ça vous donne du boost. Enfin, il y a des petits ventilateurs qui vous donnent du boost pour remonter. Oh là là, c'est classe. Franchement, meilleur event du monde, là. Meilleur event de Fortnite, là. Il n'y a pas moyen. Faut pas dire le contraire. On est en train de voyager avec le nuage magique de Sanboku. Et en plus j'ai le skin de Sanboku, donc c'est trop stylé. Hop, on va sur le deuxième ventilateur. Voilà, vous suivez le chemin. Regardez, il y a 14. En plus il y a un petit chrono et tout pour si vous voulez challenger vos potes. Donc là j'aurais mis moins de 1 minute pour le faire, hein, du premier coup. Enfin 57 secondes. Et là je peux récupérer ma boule de cristal, ma cinquième boule de cristal. Donc là maintenant on va retourner au spoon. Donc voir le prochain défi. Ok, donc là c'est un test de Strang. Donc il faut aller voir Beerus. C'est un test de force. Donc vous retournez dans la capsule. Et là je pense que Beerus c'est tout à droite. Donc peut-être qu'à la fin on va pouvoir invoquer Sharon et faire un planète de Beerus, ok. Et faire un petit vœu, hein, je sais pas, on verra. Donc là, use the Kamea to destroy 5 roches. Donc là il va falloir que j'utilise le Kamehameha pour détruire 5 rochers. Donc déjà il faudrait que j'obtienne le Kamehameha. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah ok, il est là. Regardez, hop. Kamehameha. Vous l'avez en illimité. Et maintenant, je dois détruire 5 roches. Ah ben les roches, elles sont ici. Il y a des croix dessus. Donc c'est parti. Hein. Donc déjà, un rocher, deux rochers. Et là, je vais faire les 3 là. Ah. Voilà, les 3, voilà. J'ai détruit 5 roches. Maintenant, j'ai terminé. Et là, je vais récupérer ma boule de cristal, ma sixième boule de cristal, boum. Et là, je retourne au spawn pour voir c'est quoi le prochain défi. Ok, donc là, il est marqué Make a Wish to Shenron. Donc là, je crois qu'il faut que j'invoque Shenron. Ok, donc là, en fait, j'ai la dernière boule, donc je suis retourné au spawn, j'ai la septième boule qui est juste là. Et là, bon, ben. Donc là, maintenant, il faut que j'invoque Sharon. Oh là 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 là. Oh, c'est... Waouh. Regardez-moi ça. C'est trop stylé, les potos. Pouh. Attends. Je vais me transformer. Encore. Pour la petite miniature, quoi. Hop, je crois que je vais utiliser ça comme miniature. Voilà, mon gars. Et là, faites un vœu. Appuyez sur carré pour faire un vœu. Et... Wanted to unlock hidden potential tel... Ok, hello. Sharon, c'est easy. Not to you. Oh, mais... J'ai une super puissance ou quoi? C'est quoi? J'ai une aura autour de moi. Je peux refaire un vœu? J'ai droit à 3 vœux. J'ai déjà exaucé votre vœu. Au revoir. Ok, donc là, mon vœu, je sais pas trop ce que c'est. Donc, celui qui sait parler anglais et qui a compris ce qu'il était noté, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Félicitations, vous avez terminé l'île d'aventure de Dragon Ball. Vous pouvez désormais explorer l'île librement, combattre dans l'arène et regarder des épisodes de Dragon Ball Super en vous rendant au quai. Ok, super.
Merci, merci beaucoup. Donc voilà comment vous allez pouvoir... Et regardez maintenant, j'ai une aura autour de moi qui me dit que j'ai terminé, que j'ai invoqué Sheron. Donc je ne sais pas si on peut le réinvoquer, peut-être en relançant la partie, je ne sais pas.